け出してって抜け出してって悲しすぎる運命から、あなたは奈落の花じゃない。Salut tout le monde, c'est Sedjoki, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Higurashi Nonaku Koronikai, ou le Sanglier Cigale en français, Arc des Réponses. Que s'est-il passé dans l'épisode précédent qui était l'épisode 174, ça fait longtemps qu'on est sur cette série, et c'est pas prêt de se terminer vu qu'il nous reste, il me semble, deux volumes après celui-là. Eh bien, l'étau se resserre peu à peu autour du cou de Rena, et elle a donné des informations à Keiji, mais pas tout. Il me semble que elle avait déjà parlé légèrement de quelque chose. Je sais pas si elle avait parlé du parasite, ça fait un mois quoi. Mais elle, voilà, en tout cas, elle a mis Keiji au courant déjà de ce qui lui arrive, et qu'elle a récupéré les documents de Takano Miho, et que justement on tentait peut-être de la réduire au silence, et c'est pour ça qu'elle se faisait poursuivre par cette camionnette blanche qu'on a déjà vue dans d'autres chapitres, parce qu'il y a un moment où la camionnette a failli écraser Keiichi à un moment. Donc c'est pas la première fois qu'elle existe dans le monde de Higurashi, et peut-être que ça veut dire que c'est pas la première fois que Rena se retrouve avec des cahiers peut-être. En tout cas, on va bien voir comment ça va se développer par la suite. Je suis désolé de maintenant sortir à peu près deux épisodes par mois au lieu de quatre, parce que bon, il y a un moment où j'avais un rythme beaucoup plus élevé, mais j'arrive pas à me motiver à faire des épisodes plus souvent, donc c'est ainsi. Donc, jusqu'à que je fasse un live pour l'épisode 200 où je vais peut-être passer 6 heures sur le jeu pour faire un gros enregistrement pour l'épisode spécial 200 quoi. On va être à peu près à un rythme de 2 par mois, je pense, parce que j'ai pas énormément de temps, et des fois j'ai envie de faire autre chose durant mon temps libre, donc on va bien voir comment ça va se développer. En tout cas, on reprend pour cet épisode 175 l'endroit où c'était arrêté la dernière fois, et il me semble qu'on avait un indice à lire. Hop, c'est parti. Indice, on avait quelque chose avec un repas, liste des repas. Ah oui, on avait eu un numéro 1. D'accord. Ok, c'est un petit peu genre l'indice qui essaie de réfuter toutes les théories qu'on avait avant sur le fait que, étant donné tous les éléments qu'on avait, il était probable que effectivement les membres de Hinamizawa ont soit une hallucination collective, soit réellement des parasites dans le corps qui selon certains paramètres peuvent s'éveiller et voilà, sortir, enfin, voilà, provoquer une sorte de folie suicidaire, comme c'était le cas à un moment pour Rena et à un moment pour
Tomitake probablement, parce que je sais plus si Tomitake était originaire du village, mais en tout cas il y vient assez souvent, et donc peut-être qu'effectivement lui aussi est infecté par les parasites, et qu'il faisait des photos ornithologiques. C'est possible qu'il ait été infecté en s'approchant du marais. Je ne sais pas, en tout cas, les indices essaient de nous pousser dans la direction opposée de la théorie qu'on avait dans l'épisode précédent, donc j'ai un doute, hein. J'ai un doute. En tout cas, hop, on va reprendre. On va bien voir si notre théorie se concrétise. Je tenais à m'excuser, Reyna. Quelque part, je ne croyais pas vraiment à ce que tu m'avais raconté. Je te demande pardon. Non, Keiichi, c'est pas grave. Grâce à toi, j'ai évité leur piège. Mais qui sont-ils, ces gens? Tu crois qu'ils étaient les hommes de main des fanatiques religieux dont tu m'as parlé? Je pense pas qu'ils s'en rendent compte, tu sais. Celui qui leur donne des ordres, en fait, en fait partie. C'est sûr, mais eux, non. Mais ils sont peut-être déjà actifs depuis l'époque de la guerre du barrage. J'ai entendu dire par pas mal de gens que les Sunosaki étaient derrière pas mal de choses louches pendant la guerre du barrage. Oui, ils sont assez célèbres pour ça, effectivement. L'inspecteur m'a raconté un truc. Il m'a dit que pendant toute cette histoire, il y avait eu un enlèvement. L'histoire était restée secrète, mais en fait, bien, le petit-fils du ministre du développement urbain s'est fait enlever. C'est ce qui a mis fin au projet, en fait. Le petit-fils du ministre? Attends. Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Comme le ministre a donné suite aux revendications des ravisseurs, l'affaire n'a jamais été dévoilée au public. L'inspecteur a enquêté là-dessus à l'époque. C'est pour ça qu'il est au courant. Ok, je vois, ouais. Et d'après l'inspecteur, les gens qui ont mis ce chantage sur pied et qui ont organisé l'enlèvement étaient très bien organisés. La seule chose de sûre, c'est que les ordres ont été donnés par les Sunosaki, mais l'affaire n'a jamais été résolue. En fin de compte, ce plan n'a jamais été mis à exécution, mais les unités d'élite ont reçu leur entraînement. Et ils n'ont pas fait semblant, à ce que les gens racontent, se racontent. L'inspecteur Oishi a appris quelque chose d'énorme grâce à son informateur, juste après la fin des affrontements du barrage. Horio Sonozaki aurait ordonné aux membres de l'association de rester chez eux si le barrage venait à être construit, pour mourir lors du remplissage du bassin artificiel et montrer l'exemple. Et tous les membres avaient accepté de suivre le mouvement, le cas échéant. Elle était complètement folle, cette femme. C'est pour ça que les rumeurs les plus insensées n'étaient pas à prendre à la légère. Horio Sonozaki était largement capable de tout, même de prendre d'assaut un ministre. D'après l'indicateur de l'inspecteur, cette solution était envisagée comme le dernier recours, au cas où toute autre forme de résistance ou de négociation aurait échoué. Et les préparatifs étaient déjà bien avancés. Le clan avait suffisamment d'armes à feu et avait fini d'entraîner les hommes recrutés pour les unités d'élite. Ils avaient été choisis parmi les membres de la Pègre et envoyés en Amérique, aux frais du chef de clan. Dans une région désertique du sud américain, d'anciens retraités de l'armée leur avaient donné un entraînement pro. L'assaut du ministère n'avait pas été mené, mais ces troupes d'élite avaient été recyclées en assassins directs, discrets, placés directement sous les ordres d'Orio Sunosaki. On imagine sans peine qu'ils devaient être impliqués dans de nombreuses affaires jamais résolues, comme cette histoire d'enlèvement.
c'est un peu gros quand même, je t'avoue. Tu te souviens quand Mi s'est présentée la première fois? Il t'a dit qu'elle savait tout faire. Montrer une carte bleue. Non, monter. CB, ouais. Ça doit être un truc technique. Je sais pas. Piloter un hélicoptère, etc. Évidemment, ça passe pour être une plaisanterie, mais en fait, elle sait réellement faire tout ça. Mia a été envoyée là-bas pour superviser que tout se passait bien. Et à ce qu'on dit, elle a participé à l'entraînement aussi. Oh putain, sans déconner. Oh, la vache. Écoute, pour Mi, c'est peut-être du flan. Elle était jeune et puis elle est du genre à aimer se vanter. Mais les troupes d'élite sont bien réelles. Il y a une Mizoa, des gens qui ont le savoir-faire pour organiser un enlèvement et mettre la pression sur le gouvernement. Et donc, ils en ont après toi. Ils veulent te tuer. Sois pas ridicule, Keiji. S'ils avaient voulu me tuer, je serais mort depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Donc en fait, ils en ont après les cahiers de Madame Takano, tu crois? Comme tu l'as constaté aujourd'hui, ils sont sur leur garde. Ils ne sont pas non plus du genre à foncer dans le tas sans réfléchir, sinon ils n'auraient qu'à s'introduire chez moi pendant mon sommeil. Ouais. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont très prudents. Je pense simplement qu'ils n'ont pas la preuve formelle que j'ai les cahiers manquants. Ils ont tué Mio et ont voulu détruire toutes les traces de ses recherches, sauf que la partie la plus importante manquait. Ils ne vont pas mettre longtemps à comprendre qu'elle a dû donner cette partie à quelqu'un d'autre. Je fais partie des personnes possibles. Sauf qu'ils n'ont pas de preuves. Alors ils ne passent pas à l'action. Rena. Je sais que c'est pas nouveau, mais t'es sacrément dans la merde, non? Oui, si. Je dois avoir peur, mais je ne me rends pas trop compte. Et puis, je n'ai pas l'intention de me faire supprimer sans rien faire. Je suis en contact régulier avec l'inspecteur Oishi, pour le cas où. Tiens d'ailleurs, il en pense quoi lui? Il surveille les hommes de main des Sonozaki pour voir s'ils préparent un coup ou autre chose. Tu lui as parié des cahiers de Madame Takano? Non. Non, je ne lui ai encore rien dit. Je devrais en parler à la police, tu sais. Ils doivent bien être capables de faire quelque chose. Keiji, tu ne comprends pas. Je ne t'ai même pas tout dit à toi. Parce que, même si tu es mon ami, je ne suis pas sûr que tu veuilles me croire si je te raconte tout. Si j'en parle à l'inspecteur, il ne me croira pas. Jamais. Il me laissera me débrouiller toute seule. Rena, s'il te plaît, tu pourras arrêter de rester vague comme ça? Raconte-moi tout, c'est quoi le problème? Il y a marqué quoi dans ces cahiers? Qu'est-ce qui a pu justifier le meurtre de Mio? Pour faire simple, si la théorie de Mio est juste, leur déesse sera humiliée. Mais comment est-ce que l'on fait pour humilier une déesse? Eh bien, si la théorie de Mio se sait, la déesse Yashiro perdra son caractère sacré et divin. Donc forcément, les gens qui militent pour le renouveau du culte ne veulent pas que ça se sache. Rena, sois plus clair. Je m'excuse, mais j'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux dire. T'as un exemple concret? Tout bêtement, la déesse Yashiro n'est pas une déesse. Ce n'est pas une déesse? La déesse Yashiro a énoncé de nombreuses règles, mais la plus ancienne de toutes, celle qui vraiment est la plus importante, c'est le duo ne part pas du village et ne laisse entrer personne au village. En lisant bien les autres règles, on se rend compte qu'elles ne font que suppléer à ces deux-là. Quant au reste, aime tes voisins ou prends soin des tiens, ce sont des choses greffées par-dessus, bien après. La déesse Yashiro n'existe que pour empêcher les gens de partir du village. Elle n'est ni une déesse protectrice, ni généreuse, elle n'accorde rien à personne. Ce ne sont que des gens enjolivement rajoutés par la suite, après plusieurs générations.
à l'origine. Pourquoi la déesse est-elle apparue? C'est parce que des démons sont sortis du marais et ont attaqué les villageois. Eh bien en fait, c'est pas tout à fait ça. Ce ne sont pas des démons qui sont sortis du marais. Mais si un être humain se fait avoir par ce qui est sorti du marais, alors il se met à attaquer les autres. Je comprends pas, Reyna, ça veut dire quoi? La chose qui est sortie du marais a contaminé une personne pour se développer dans son sang, la contrôler et lui faire attaquer d'autres gens. Les gens sont devenus des démons. Les gens n'ont pas pu résister à cette chose. Ils sont tous devenus agressifs. Ils ont attaqué les habitants des autres villages, qui sont à leur tour devenus des démons. Ce qui veut tout simplement dire qu'il y a eu une épidémie avec une bestiole qui est apparue dans le marais. Et qui est due donc à un parasite inconnu qui rend ses hôtes violents. À l'époque, les gens n'ont rien compris à ce qui se passait. Ils ont cru que des esprits maléfiques étaient venus tout droit des enfers pour posséder des humains et en faire des démons. C'est ça la réalité des faits suggérés dans la légende. Ouais, c'est une théorie qui a le mérite d'expliquer beaucoup de choses. Et donc du coup, la déesse Ichiro serait un médecin qui serait venu d'une autre région? C'est pas bête, oui. C'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée. C'est une sorte de médecin. Arrive au village et a pu enrayer l'épidémie. Elle n'a pas pu soigner la maladie, juste donner une solution temporaire. Prodiguer les premiers soins, si tu veux. Elle a pu atténuer les signes visibles de la maladie, mais pas résoudre le problème. Ce qui veut dire que les habitants ont pu se retenir d'agresser les autres, mais ils n'ont pas pu se débarrasser des parasites dans leur corps. Du coup, le visage s'est scindé en deux. D'un côté les gens infectés et de l'autre les gens encore sains. On imagine facilement le regard des autres sur les gens infectés. Ils devaient être craints et méprisés. Alors les gens sains ont décidé de noyer tous les infectés, de les tuer tous jusqu'au dernier. Mais cela ne résoudrait pas le problème. La cause de cette épidémie, le parasite était vivant quelque part dans les profondeurs du marais. Il n'aurait qu'à attaquer d'autres personnes et tout recommencerait. Il était impossible de reboucher le marais, et même en admettant cette possibilité aujourd'hui, que faire sans eau potable, surtout à l'époque? Et puis, c'était la terre de leurs ancêtres, leur seule possession au monde. Ils ne pouvaient pas partir sur un coup de tête. Grâce à la déesse Ichiro, les gens infectés pouvaient vivre sans montrer de signes apparents de la maladie. Alors les gens se sont décidés pour vivre tous ensemble, sans faire de distinction, pour vivre en symbiose avec le parasite. Heureuse de voir que les gens étaient redevenus raisonnables, la déesse Ichiro décida de rester vivre ici, pour continuer de soigner les malades. Et alors, ce serait que la légende voudrait dire... Ah ouais... C'est dingue, hein? Et pour que les villageois infectés continuent à ne pas développer les signes de la maladie, elle a érigé plusieurs lois. La plus importante, la seule à respecter en fait, était de ne pas sortir du village et de ne laisser entrer personne. Je comprends la décision d'empêcher de nouvelles personnes de venir ici et de tomber malade, mais pourquoi interdire aux gens de partir? Parce que c'est un parasite qui ne vit à son aise que dans un périmètre géographique très limité. Et donc si un porteur du parasite s'éloigne, le parasite n'est pas content et il se réveille en force, provoquant des tas de choses à l'intérieur du corps, ce qui mène à la mort de l'hôte. C'est ça la vérité derrière la malédiction. Le déesse Ichiro. Le signe le plus visible de la maladie, c'était l'apparition d'hallucinations et de comportements violents. Il faut se rendre compte qu'au Moyen-Âge, les gens ont fait avec les moyens du bord pour trouver une explication. Ils ont donc comparé ces gens violents et fous à des démons, ce qui a donné naissance au mythe du village des démons. C'était sûrement terrifiant à l'époque. C'était pourquoi il ne fallait surtout pas laisser des gens infectés partir du village. Finiraient par devenir fous et violents dans leur nouvelle contrée, provoquant toutes sortes d'incidents graves. C'est pourquoi ils ne laissaient personne hors du village. Ceux qui tentaient de s'enfuir étaient ramenés de force. C'était ça le véritable visage de l'enlèvement des démons. Attends, Reyna. Ça voudrait dire que tous les habitants sont contaminés, toi et moi aussi? Mais pourtant, moi j'ai pas eu de problème. Il y a plein de gens du village qui se marient et qui partent vivre ailleurs. Il n'y a pas d'exemple connu de personnes de Inevitable qui seraient devenues folles. Non, effectivement, mais ça,
c'est parce que la déesse Yashiro a eu la bonne idée d'ériger ses lois plusieurs siècles auparavant. Je ne sais pas si tu comprendras pour comment, mais elle avait une bonne raison de laisser le parasite ici tout seul, séparé du monde. C'était pour l'affaiblir. Pour un parasite, l'hôte est un élément indispensable, une condition sine qua non à sa survie. Le parasite partage tout ce que son hôte vit et subit. Les hôtes qui deviennent fous et qui attaquent les autres sont finalement appréhendés par l'ordre public et mis à mort, qui entraîne la mort du parasite. Mais bien sûr, la sélection naturelle. Waouh, bravo Keiichi. Tu es vraiment fort en sciences naturelles. Oui, tu as tout bon. En confinant ce parasite à ce village, et en enfermant tous les hôtes potentiels dans cette région, la nature a pu faire son œuvre. Par contre, c'est du bullshit. Attends, la théorie de la sélection naturelle, c'est pas un théorème, enfin une théorie qui a été énoncée par Darwin très très tard. Donc, genre les médecins de l'époque, parce que là on part du principe qu'ils ont découvert le parasite probablement au Moyen-Âge, aucune chance qu'ils connaissaient la sélection naturelle. Je pense qu'à cette époque, ils pensaient en... Peut-être qu'ils étaient encore au point où ils pensaient que les animaux étaient encore issus de générations spontanées. Donc, non, juste non, ça c'est pas possible. Enfin, peut-être que c'était pas pareil au Japon, mais j'ai des doutes. Les êtres humains trop sensibles au virus sont devenus fous et sont morts. Quant aux souches de virus tellement fortes qu'elles provoquaient des symptômes même chez des gens résistants, eh bien, c'est rebelote. Leurs hôtes sont devenus fous, ils sont morts, emportant la souche virulente avec eux. Du coup, les seuls humains qui sont restés en vie ici sont tous résistants, ou bien alors seuls les parasites les moins violents ont pu survivre. Situation qui est décrite dans le passage où la légende dit qu'ils eurent une descendance commune et le sang des démons se mélangea au celui des humains. Mais alors, si je comprends bien, les seuls parasites encore vivants aujourd'hui sont inoffensifs? Eh oui. D'après les recherches de Mio, il y a beaucoup de cas où les animaux sont parasités par des corps totalement inoffensifs. Chez les humains aussi, ça dépend des habitudes alimentaires. Dans les pays où l'on mange de la viande crue, par exemple, près de 80% de la population est infectée par des parasites de toutes sortes. Mais comme aucun de ces parasites n'a d'effet négatif sur l'hôte, personne ne les remarque. Donc personne ne cherche à s'en débarrasser. Donc ces parasites subsistent. Ah ouais, c'est pas bête. Jadis, la purification du coton avait un autre sens. Ils n'écrivaient pas l'idéogramme du coton, mais celui des entrailles à la place. Ils éviscéraient quelqu'un qui était devenu fou et ils mangeaient ses organes internes. C'est écœurant, mais c'était nécessaire. Mais pourquoi manger quelque chose d'infecté? Oh, c'est pas vrai. C'était un peu comme pour faire un vaccin, non? Alors là, Keiichi, tu m'épates. Oui, c'est ce que Mio pensait aussi. La légende dit qu'on les disséquait vivants et mangeait encore tout frais. C'est assez gore, mais dans les faits, ça devait être quelque chose de beaucoup plus modéré, presque clinique. Ils ont dérivé une sorte de vaccin à partir des tissus malades pour inoculer aux villageois et renforcer leurs défenses naturelles. Putain, c'est quoi cette déesse Yashiro? Un médecin? La médecine a surtout été développée en Allemagne. Tu crois que ça pourrait être une femme médecin sur un bateau qui aurait échoué sur une plage japonaise? Oui, c'est la déduction logique la plus rationnelle en effet. C'était pas une Allemande, mais c'était quelqu'un avec le savoir pharmacologique nécessaire. Pharmaceutique. Je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est super excitant de découvrir tous ces secrets cachés dans les légendes. Mais alors, je suis contaminé aussi. Purée, rien que d'y penser, ça me gratte de partout du coup. Un être humain, c'est tout un univers à lui tout seul. Nous avons des milliards de microbes, bacilles et autres bactéries dans le corps. Et certaines sont nécessaires pour nous aider à vivre.
Ouais, ils en parlent souvent dans les pubs pour les yogourts. Les yaourts. Je ne sais pas plus, mais Mio cite quelques exemples. Il paraît que les termites, eh bien, elles ne digèrent pas le bois. Mais elles ont une bactérie qui peut dissoudre les tissus du bois et qui en retire les éléments nutritifs. C'est un exemple de collaboration parmi d'autres. Ça par contre, je ne savais pas. Comme quoi, même si on a tendance à rejeter les parasites, les petites bêtes, un peu à l'instinct, eh bien, ce n'est pas très malin en fait. Il n'y avait pas que des mauvaises bactéries. C'est pourquoi les germes qui ont généré cette épidémie dans le passé sont tous morts. En fait non, ils se sont affaiblis, ils sont devenus inoffensifs. Au début je me disais que c'était un peu n'importe quoi toute mon histoire, mais finalement c'est assez logique. Je trouve ça super intéressant, c'est presque marrant quelque part. Oui, pour nous c'est rigolo, mais pour les gens qui ont passé des siècles à vénérer la déesse Yashiro et à se cloîtrer dans une région, ils croient qu'ils vont beaucoup rire? Ouais, évidemment que non. Madame Takano a vu juste, alors la déesse Yashiro n'était pas une déesse. Et la malédiction de la déesse était encore moins que ça. C'était une bête maladie, comme la fièvre ou l'acné. Oui, bien sûr, je comprenais maintenant ce que Rena voulait dire quand elle parlait d'humilier la déesse. Mais alors, si elle arrive à découvrir l'agent pathogène, qu'elle en parle dans une revue scientifique, la culture de la que le culte de la déesse disparaîtra à tout jamais. Exact, je pense que c'est ce qu'ils craignent le plus. Apparemment, elle a essayé d'identifier cet agent pathogène, et elle a été supprimée, donc... Tu crois qu'elle a réussi? Il faut croire que oui. Mais bon, elle n'est pas plus vivante pour en parler. En tout cas, ses cahiers ne mentionnent pas la découverte. C'est bizarre, parce que franchement, je ne vois pas d'autre raison de vouloir la tuer. Mais quand même... Je sais pas moi, on est à la fin du 20e siècle. Les habitants du village ne sont pas si loin que ça de toute civilisation. Ils ont bien dû être observés à l'hôpital un jour ou l'autre, avec une prise de sang. Tout aurait dû être découvert depuis longtemps, non? Si, et pourtant l'agent pathogène n'a toujours pas été identifié. Par contre, la présence des parasites a été prouvée. Quoi? Sérieux? Putain, sans déconner?